Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Mimi et avec Younes. Salut. Aujourd'hui, vidéo assez particulière, on part sur un cap ou paca très spécial. C'est un cap ou paca à l'aéroport, les gars. Oh lolo, vous êtes prêts? Les amis, on va commencer ce cap ou paca en Algérie à l'aéroport, ça va être trop marrant. Et on va peut-être le finir en France. Mais cap ou paca de pas prendre l'avion, on le fait pas. T'es mort, moi j'ai envie de prendre l'avion. Les gars, on est à l'aéroport, c'est hyper grand, regardez. Mais calme-toi, il y a des caméras de partout. Aïe. Mais pourquoi on n'a pas pris les tapis pour avancer plus vite? Cap ou pas cap? De faire quoi? Vas-y, cap, je suis cap. Tu dois aller dans un magasin foot prendre des maillots pour enfants, sauf que ce sera pas pour moi, ce sera une taille grave en dessous, ce sera pour quelqu'un de la famille. Mais tu crois, moi je vais payer pour la famille? Je suis cap. Donc, on arrive au magasin, les gars. Ça, c'est c'est le maillot d'une équipe d'Alger. Elle est super forte. Myriam! Oh, j'avoue, les gars, celui-là il est violent. Il y a en noir comme ça, ou alors en blanc, ou alors en vert. Tu crois vraiment je vais ralasse pour toute la famille? Mais pourquoi tu rentres? Wesh. Les gars, j'ai envoyé Myriam aller demander à Yassine s'il avait un peu d'argent parce que ça coûte grave cher, 10 000. Alors, il t'a passé? Yes. Moi, je paye pour toute la famille. Là, vous savez, j'ai payé combien? On est à l'aéroport? 10 000, Gina. Tu sais, ça fait combien? 10 000 40 euros. Pour quelqu'un de la famille qui passe pas. Je vois ça. Vois mon gros ventre. On va manger. Vas-y, moi aussi, j'ai pas. Tu veux vraiment manger du sucré? Mais les gars, regardez comment tu veux résister. Regardez, les gars. Regardez, il y a le drapeau de l'Italie. Il y a le drapeau de l'Italie ou n'importe quoi. Tu vois les gâteaux de l'Aïd? Viens, regarde, ils sont là-bas. Viens, on va voir. Sauf que là, c'est les gâteaux version professionnelle. Tu viens de dire que maman, elle est pas professionnelle, là? Regarde. Si, maman, elle est professionnelle, mais regarde des gâteaux de malade mental. Oh, il brille, celui-là. T'as vu, il brille. Oh là, regardez ça. Mais regardez les prix, 6 000 euros, 6 000. J'ai pas la monnaie, moi, allez, 6 000 dinars. Myriam, là je t'as vu, j'ai faim. Mais cap ou pas cap d'aller t'asseoir à côté là-bas, et là je suis bien. Vas-y. Elle est grave contente. Non, j'ai pas dit ce siège. J'ai dit le siège juste à côté. À côté. Ah bah oui, bah cap ou pas cap, vas-y maintenant va. Elle va me faire khala, je vais lui faire que les trucs de haut. Vas-y, moi je vais manger. Y'a des sandwichs. Ouais, mais pourquoi t'es content? C'est que des sandwichs chauton. On croit pas, c'est un truc de ouf. Hein. Elle m'a emmené dans un endroit, les gars, bizarre. J'espère pour toi, y'a des sandwichs, y'a pas que des trucs à boire. Hein. Je vois, y'a que des oranges. Y'a que des oranges. On va manger des oranges. On va voir. Oh là, masterclass, y'a des burgers. Oh là là, y'a des burgers. Alors, tu merci à ta soeur qui t'a amené dans un endroit alors, miraculeux. Ouais, mais merci quoi? Y'a des sandwichs, ok. Y'a des burgers. Des pizzas. Ah, oh, y'a les pizzas spéciales algériennes. Trop bien. Des chips. Vas-y, bon, on va tester tout ça. Et en termes de pâtisserie, il y a quoi? C'est là, les pâtisseries. Vas-y, je te suis. Oh, le cap ou pas cap, il est incroyable. Waouh, des donuts. Oh, moi, je crois que je vais prendre ça, le rocher. Le rocher? Ouais. Tu vas le finir, tu penses? Bah ouais. Ok, vas-y. Tiramisu. Ah ouais, tiramisu algérien. Bah vas-y, on fait notre commande. Est-ce qu'il est gay de khalas? Je sais même pas si j'ai assez. J'ai 7 000. A few moments later. C'est bon les amis, on a eu assez, on s'en tire avec 3 sacs. On a payé combien pour tout ça? Payé 2300, ça voilà. Fait environ 10 euros. Ça va 10 euros pour grave des trucs. Comment d'aller manger? Tu m'as fait payer, cap ou pas cap, d'aller à côté de la statue et faire la même position en 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, attends je vérifie. Ok c'est bon, c'est validé, t'as de la chance. Allez salam. Avoue que t'as chaud que je t'abandonne, avoue. À chaque fois, il me fait 50. Ah, mais viens, on va voir Yassine. Attends, à chaque fois, il me fait ça quand on joue. Vas-y, avance. Il est là. Eh, par contre, pour l'argent, on est d'accord. On dit qu'on était nous deux d'accord, ok? Vas-y, sors, ça sert à rien d'attendre là. C'est les. Non, arrête. On a pris juste un peu d'argent. On a pris juste un peu, je te jure. Yassine, on a pris juste un peu, calme-toi. Le portefeuille, je rigole pas. Pourquoi elle est venue prendre le portefeuille? Donne-lui. C'est lui, il m'a dit, va chercher le portefeuille. En fait, on avait besoin de vite fait. Et on t'a laissé un peu si tu veux acheter quelques trucs. Comment ça, on m'avait laissé un peu? Il reste combien? Cap ou pas cap de pas t'énerver si je te dis combien on a pris? On a pris un peu plus de la moitié. C'est pas moi, c'est lui, il m'a dit. On a acheté quoi? On a acheté des cadeaux pour la famille et à manger. Des vraies pizzas algériennes, Yassine, on va les tester enfin. Il me reste quoi là? Regarde, il te reste combien? Je crois qu'il doit te rester 4 ou 5 000. C'est lui. Non, mais vous, je vais vous tuer. Il reste, ça va, il te reste, t'as assez encore. T'as un Qatari, il te reste encore 4 euros. 1000, 2000, 3000, 4500. 4500. Je voulais acheter du miel, j'ai même pas assez. Maintenant. Allez, cap ou pas cap d'acheter du miel, cap. C'est pas, et pas t'énerver. Mais j'ai pas assez. Bah, viens, on va voir, peut-être t'as assez. En plus, il est là le magasin. Et on va voir. Si j'ai pas assez, tu me rajoutes. Hein. J'espère que c'est pas. C'est là à droite, les miels. C'est à droite. Ah, bah, c'est 700, ça va, ouais. Mais tu comptes faire quoi avec ce gros pot de miel? On est en Algérie pour tester le miel. Hein. Ah, ouais, genre en Algérie, il y a des vrais miels, hein, j'avoue. Par contre, je vous conseille ceux qui veulent acheter des miels. Les vrais miels, c'est les miels crémeux comme ça, plus blanc. Les miels en mode foncé, c'est les miels sucre. C'est l'avion, allez! Bon, c'est bon, la signe est repartie, je laisse cap ou pas cap. Vas-y, cap. Tu dois me laisser commencer la dégustation. Non, vas-y, arrête, toi t'es chiant. Les cap ou pas cap, à chaque fois ça tourne mal. En plus, tu vas pouvoir tester en avant-première les pizzas d'Algérie. Tester, par contre, y'a pas de. Ouais, teste tout, après je teste tout, vas-y, c'est carré. Commencez par le dessert, je sais que je suis pas normal, mais on va commencer par le dessert. Ah là là, déjà la meuf elle met un maillot Mickey, à partir de là, tu peux pas dire que c'est normal. Ah, c'est la pizza ça. Ouah, wow, t'arrêtes tout, regardez tout l'huile. Mais tu sais que cette pizza, je l'ai vue dans tout TikTok, tout YouTube, partout. Ça c'est la pizza spéciale algérienne les mecs. Moi, j'en ai avec pas. Plein de légumes. Elle a voulu en prendre deux, je lui ai dit une c'est déjà bien. Mais on dirait les pizzas à la cantine. Le visuel il est incroyable. Sauf qu'en fait, vous voyez la cantine, ils vous font des pizzas aux légumes. Bah, c'est ça, c'est une pizza végétarienne. Vas-y à l'attaque.
Je suis vraiment impatient de savoir parce que Myriam, je sais pas si elle va aimer ça. J'aime trop. Ah ouais? Ouais, ça la retape un croc. Le sel, le fait que ça s'appelle, et ben en fait, il est bien cuit, bien chaud. La pâte, elle est douce, la pâte, elle est moelleuse. En plus, enfin, moi, je suis pas croqué dans l'olive. Oh, regardez, après, il y a Yacine. On est là. Regardez ce touriste là, qu'est-ce qu'il fait? Je vous aime pas en plus. Ah, non, on a le sandwich à Younes. Tu vas tester mon sandwich aussi? Mais non. Désolé, la salade, je touche pas. Bah, touche pas à la salade, ouais, touche pas à ma salade. Ouais. C'était la dégustation. T'es parti acheter d'autres trucs? Non, j'ai pas assez d'argent. En fait, j'ai fait 3 et 3, ça c'est que 1 euro. Bah, tu peux acheter un gâteau arabe, un seul gâteau arabe. Ça va aller. Quoi que vous avez pris? Ça, c'est le sandwich à Younes. C'est ça, c'est le Subway algérien. Ça, c'est les sandwichs de Daron, ça. Bah, moi j'ai pris ce qu'il y avait moins cher pour pas t'utiliser tout ton argent. Pour son sandwich. Mais elle a dit cap ou pas cap. Et ils sont les légumes sur sandwich. Un bon Subway algérien. En plus, il me l'a fait toaster au four. Attends, je tape là. Non, vas-y, arrête, t'es chiant. Allez, sans pitié, elle entre. Vas-y, moi, je vais manger quoi? Des cailloux? J'ai pas mangé depuis hier. Ouais, mais hier, t'as mangé quoi hier? Des tacos. Voilà, merci. Voilà. Il est bien doré au four. Allez, on va se lancer. C'est la pizza algérienne. Et alors? Incroyable. Là, le sandwich, en fait, vous voyez, les graines de sésame à la base, les graines de sésame, c'est fort et moi, j'aime pas. Et ben là, ça revient au goût. Incroyable. Et les sandwichs algériens, ça ressemble pas aux sandwichs français. Tu préfères quoi, les sandwichs algériens ou français? Fais attention à ce que tu vas dire. On va faire un débat. On peut pas faire un débat. Dites en commentaire, dites en commentaire. Les gars, ça c'est la marque Ifri. Vous savez qu'en Arabie Saoudite aussi, il y a la marque Ifri. En fait, je crois dans les pays arabes, c'est que la marque Ifri. Ça vient de l'eau des montagnes. Mais nous en France, on a grave des marques d'eau et eux, ils ont qu'une marque, je crois. En fait, ils ont une marque d'eau et 600 marques de boissons. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Nous, on a 2-3 marques de boissons et 1000 marques d'eau. C'est le moment attendu. Et bien sûr, tout ça vous avez payé avec mon argent. Mais je te jure, c'était pas très cher. Ah ouais, c'était pas très cher. Pourquoi il me reste que ça alors? Bah, si j'étais acheté en billet, j'avais 100 euros, il me reste 1 euro et c'est pas très cher. Waouh, on dessert de malade. Après, attention, là vous pensez que c'est du chocolat, mais ça se trouve, c'est de la pâte de date tout autour. Ah oui, j'avoue. C'est possible, hein, parce qu'en Algérie, c'est le truc phare. Mais ça va être mangé avec la main, arrête de. Ah, la main. On est en Algérie, bordel. Allez, bismillah. Ça veut dire quoi ça? Tu vois à l'intérieur c'est de la date. Regardez-moi ça, il y a un caramel à l'intérieur. C'est onctueux, c'est moelleux, ça se voit. Enfin, ça a l'air incroyable. C'est de la date ou du chocolat? Chocolat, il y a des sneakers. Je le dis, l'Algérie, c'est le meilleur pays avec la France en termes de pâtisserie. C'est incroyable. Mais les gars, c'est le meilleur gâteau d'Algérie. Trouvez-moi son nom, trouve-moi. Mais je sais pas. Yacine, cap ou pas cap, me donner tout l'argent qui te reste. S'il te plaît. Il a pas le droit de faire ça, Myriam. Si, il a le droit, c'est le cap ou pas cap. Cap ou pas cap, cap ou pas cap. Mais vous m'avez déjà tout pris. Il m'a déjà pris 100 euros et puis je vais me prendre le reste. Soit tu fais cap ou pas cap, ça, soit cap ou pas cap de rester en Algérie. Oui, cap. Merci. On va aller manger des gâteaux arabes. Allez, venez. Arabe, parce que je suis un arabe. On va voir en Algérie les jouets qui a. C'est parti. On va voir si c'est. Tout le monde le connaît. Ah ouais, ça t'aime bien? Ouais, j'aime trop. Et regarde, en vrai, il y a vraiment. Tu vas faire comme l'acheter. Comment ça? T'as dit juste que t'allais regarder les jouets de l'Algérie. T'as pas dit qu'on allait acheter. Allô, tu m'entends? Non, je t'entends pas. Ah ouais, ça tu kiffes la pâte à modeler. Ouais, mais. Dis-toi qu'on a un avion à prendre, donc tu peux pas prendre ce que tu veux. Mais regarde le prix. C'est pas mon argent, je m'en fiche, mais je vais voir. Donc là, la vendeuse du magasin de jouets, elle était très gentille. Mais vous savez ce qu'elle nous a dit en arabe? Elle a dit, Mashallah, ta fille, elle te ressemble. Toi, t'es ma fille? Ta grosse tête carrée là? Moi, j'ai pas de fille, moi. Comment c'est pas dire t'es ma fille? C'est un compliment ou. Bah ouais, c'est un compliment. Elle a dit, tu me ressembles, sachant que moi, tu vois, la beauté algérienne, ouais, machin. Mais une table derrière moi, c'est incroyable. On a des gâteaux au chocolat blanc, on a des gâteaux aux pistaches. On va faire une petite sélection. Alors, on va commencer par prendre un cornet. Ça donne vraiment envie. Je prends un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil. Viens ici, il y a côté Myriam. Non, prends. C'est moi qui choisis le trompe-l'œil. Prends le trompe-l'œil. Tu peux prendre un citron. Ouais, je sais ce que j'allais faire. Mais attends, j'ai pas assez la grande main. Bah, tu veux que je prenne lui? Je trempe le goûter celui-là. Prends un trompe-l'œil à la figue aussi. Celui-là? Ok. T'aurais dû prendre à la force, c'est mieux la couleur. Le blanc, il a l'air incroyable, le blanc. Le blanc. Oh, prends la mangue, prends la mangue. Celui-là? Ça? Ouais. Non, c'est pas un trompe-l'œil. Prends la mangue. Une poire? Bah oui, une poire. Qu'est-ce que j'ai à côté? Ok. C'est bon les gars. On va faire une. Moi je mange des fruits, c'est pas. Alors oui, ça c'est jet, c'est des fruits. Oui. Personne pour rien. On va faire une dégustation. J'ai même racheté des bonbons algériens, vous avez vu? Il y a toutes les couleurs, on a payé ça combien, Yassine, à peu près? 900 dinars. Dis pas, pourquoi tu dis on a payé? C'est moi qui a tout payé. On a payé même pas 4 euros tout ça. Non, Myriam, c'est pour la famille, c'est pas pour moi les gars. Wesh, mais je reconnais plus Younes là. Mais c'est pas possible, là je reconnais pas Younes. Lui d'habitude c'est celui qui mange le plus, qui laisse rien pour les autres. Et quand il s'agit de bouffe, il partage pas. C'est un truc de fou. Il a dit une disquette, ça se trouve, il a dit je vais donner ça à la famille, il va se cacher, il va manger. J'avoue, peut-être il va aller dans un coin, il va manger en secret. Non, je pense pas parce que quand il dit quelque chose, il le fait vraiment. Et Younes, il m'a choqué les gars. Mais quel homme s'est caché, on voit Younes, il va manger quand même. Mais wesh. Il va les manger, Myriam. Younes, tu fais quoi? Ils ont mis du scotch, on peut même pas l'enlever, c'était juste pour vérifier qu'il est bien sécurisé. C'est bon, c'est bon. Vérifier. C'est bien sécurisé. Ton estomac, il voulait vérifier aussi, non? Là, tu as vu, il y a du scotch. T'as vu, il y a du scotch là. Ton estomac, il voulait goûter un petit peu. Par mesure de sécurité, Myriam prend le sac. Non,
non, c'est pas la peine. Mais si, c'est la peine. Tu prends tous les autres sacs carrément. On est raciste. Regardez ça, c'est notre avion, tu penses? Ouais, je pense. On demandait pour être pilote d'avion, pour faire quoi comme étude? Il faut au moins un bac plus 10 hein, pour être pilote d'avion parce que c'est chaud. En fait, il faut avoir 5 ans d'études. Plus après, faut que tu refasses des tests et tout. Par exemple, on a déjà piloté des avions sur GTA, ça marche? Je sais pas justement. Tu ranges 5. Ah, mais 5, c'est là-bas 5, non, les 4. Non, c'est trompé. Bah, vas-y, va faire la queue, va faire la mais queue. Mais toi aussi, t'es avec moi, 5. Vas-y, on arrive. Vas-y, on arrive, t'inquiète, va, tu peux y aller. Ouais, on arrive. Vas-y, va tomber, c'est vrai, c'est une vraie randouille. 4 à 5. Toi, t'es pas futé. Hein. Les abonnés vont être grave pressés d'être dans ce couloir, non, Yassine? Dans ce couloir là, frérot. C'est-à-dire que tu pars en vacances. Ouais, ouais. Vous inquiétez pas, les gars, bientôt vous allez partir, Inch'Allah. T'es à côté de moi? Ouais. Oh non! Ah, mais c'est aussi le couloir où quand tu rentres des vacances. Ah oui, j'avoue. Oh. Et là, on va découvrir nos places. Il n'y aura pas une personne à côté de moi qui va faire que de ronfler. Ça y est, on est monté dans l'avion avec Myriam. Yassine, il est pas avec nous. C'est carré. Bon, on va voir ce qu'on va faire pendant l'avion, mais avec le moteur, vous allez rien entendre, donc on se reprend après. Là, la famille, après le vol, c'est la course. On va arriver dans les trucs de passeport et si on n'arrive pas en premier, on va faire la queue pendant une heure. Mais là, on est en France ou on est en Algérie? Là, on est en France, on est revenu. Là, on est rentré en France. On est en France. C'est un glitch. Là, on est à Paris. Mais oui, ah ouais, Paris. Myriam, cap ou pas cap, de prendre le chemin à côté et non, on prend l'escalator. Mets-nous sa vitesse. Myriam, là, t'as pas le droit de courir, j'ai dit, t'as pas le droit de courir. Cap ou pas cap de dépasser le monsieur? Cap. Ok, là tu capes, le monsieur va pas le laisser regarder. Tout physique. Couru, t'es essoufflé, t'es bien fatigué, hein. Nous, on a eu l'escalator, chier. The next day. Wesh, pourquoi t'as mis une charlotte? Mais charlotte, c'est un bonnet pour les cheveux. C'est un bonnet de bain ou... Eh, cap ou pas cap de manger les trompe-l'œil et de dire ce que t'en penses. Oh, ok, déjà, on va commencer par la fille. Les gars, regardez, c'est grave. Tu les as ramenés directement d'Algérie? Bah ouais. Oh, c'est trompe-l'œil comme Cédric Grolet. Oh, regardez, une véritable fille. Fais voir. Attends, mais pourquoi à l'intérieur c'est noir? Regardez, à l'intérieur c'est noir. Ah ouais, mais ça, c'était sûr, c'est une figue. Ouais, c'est une figue. Ah bah oui, parce qu'à l'intérieur de la figue, c'est toujours noir. On dirait pas un pétard. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Vas-y, goûte pour voir. Ok, allez. En vrai, je vais goûter. Tu dis la vérité. Si oh, le croc qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle prend ses précautions. Oh, wesh. Non, mais recrache pas, t'as pas le droit. Wesh, t'as pas le droit. Non, c'est interdit dans le jeu. Avale comme un médicament. Si t'aimes pas. Tu t'es obligé d'avaler. C'est impossible. Si t'as handicap, tu peux pas perdre. À ce point-là, les gars. Mais les filles, c'est bon pourtant. Non, c'est du sucre. Je vois pas, il est où le problème. Normalement, ça se mange du sucre. Les gars, on dirait un médicament. Genre, vous voyez quand tu prends du Doliprane, mais en version plus sucrée. Les gars, c'est rare. Est-ce qu'on aura plus de chance avec la poire? Oh, ils ont fait une véritable poire, regardez. Mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur, c'est toujours pareil. C'est du noir. Mais c'est quoi? Noir en fait, c'est du chocolat. Elle goûte carrément dans le noir. Ah, les poires pourrites! Ils ont voulu refaire les poires pourrites. T'as vu, des fois t'achètes des. Ouais. T'as pas le droit de cracher. Fais voir. Donne à Yacine la poire. T'as vu, Yacine, des fois les poires quand t'oublies de les prendre. À l'intérieur, ça pourrit. Regarde, ils ont voulu refaire ça. T'as vu, en fait, ils ont juste changé la forme. Genre, juste ça, c'est une poire, juste ça, c'est une figue. Genre, c'est le même goût. Trompé, en fait, ils ont pas capté le concept des trompe-l'œil. C'est pas Cédric Grolet, c'est Cédric Périmé. Elle est méchante, hein. Rattrape-toi, peut-être que les bonbons, regardez les bonbons qu'on a achetés là, de toutes les couleurs. C'est ça, c'est un truc de l'enfance des Algériens. C'est quoi, c'est gourmande? C'est quoi les goûts, Yacine? Je vais goûter un chat. Je crois que c'est goût des fruits, je crois. À pomme. Ouais, attends, celui-là, je vais vous dire, attendez. Ça, c'est goût médicament. Je vais goûter ça, Attends, laisse-moi. Goûte la pomme en vérité, non? Je vais goûter tout. Goûte la pomme, tiens, goûte juste la pomme pour nous donner un avis. Ça a l'air. Il y a un manque. C'est à la menthe? Ah, c'était pas de la pomme, c'était à la menthe. Et le bonbon, il était piégé. Comment ils ont fait ça à la menthe? Normalement, tiens, goûte le blanc. Le blanc, il doit être bon, le blanc. C'est peut-être au citron, je pense. C'est grave bizarre, les gars. Ah, les Algériens, ils sont forts en sucré salé, mais les bonbons, ça a l'air un peu bizarre. C'est quoi? Ah, mais c'est nous, on a pris les mauvais, je pense. Pas, mais ça a pas le goût de citron. Non, mais je suis sûr, elle abuse de ouf. Je suis sûr, ça doit être bon, mais elle a un palais de Doberman, s'il faut dire la vérité. Vas-y, alors goûte. Non, je peux pas, désolé. Pour la note finale, je mets la note. Enfin, j'ai pas envie d'être méchante, mais j'aime pas du tout. Du coup, ça, je mets 1. Et ça, je mets 0. Ça, c'est pas méchant, ça? J'ai dit mon vrai avis. Hein. Wow. Les amis, je suis en train de faire le montage de la fin de la vidéo. Est-ce que vous êtes cap ou pas cap de mettre un like et de vous abonner? Compte sur vous, nous on vous laisse là. Ciao, ciao!